Voici connecté sur la fréquence un duo rôliste. Bienvenue. Retrouvez un joueur et un maître du jeu. Que demander de plus pour vivre des aventures ? Aujourd'hui, nous nous lançons dans une nouvelle saison grâce au studio Agathe et le monde Deanna pour Donjons et Dragons 5ème édition. Rejoignez-nous et venez découvrir la Cité Franche, un des joyaux de ce monde. Mais des tourments l'assaillent et un simple apprenti magicien, même pas éveillé à la magie, va se retrouver et contribuer sans s'en douter au plus grand chamboulement depuis la naissance du dieu Tamerak. Retrouvons le fossoyeur dans le quartier Cyrilane et dans une taverne, bien évidemment. Comment va-t-il se débrouiller avec son binôme et son projet d'aller capturer une goule blême qui sème des troubles dans le quartier ? Nous sommes dans le quartier de Cyrilane. Il s'est passé à peu près une journée depuis la sortie des égouts et commencé à réfléchir à ce que tu allais faire. Et donc là, on est... dans la place qui mène à l'accès aux égouts, et cette place-là, il y avait une taverne, donc la Franche Borea, et tu es dans cette taverne. Elle est bien pour plusieurs raisons, et une des raisons qui la rend intéressante pour cette aventure, c'est qu'elle contient deux salles un peu privatisées. Donc vous êtes dans cette petite alcôve autour d'une table avec différentes boissons, et tu es donc en présence de Tanael, ton nouveau binôme qui te suit constamment, ou que tu suis constamment, ça dépend, on va dire dans quel ordre. Ah non, je suis pas moi. S'il se barre, il se barre. Et je sais que c'est une enfreinte à la règle, mais s'il se barre, il se barre. Voilà, ça m'intéresse pas. Donc celui, il respectera bien la règle pour l'instant en tout cas. Et il y a aussi donc deux autres personnes qui ont été identifiées par Herbert pour t'accompagner. Donc une guerrière, Naïs Coron. Donc une humaine, assez bien bâtie, avec une tenue militaire, mais pas militaire d'apparat, une tenue militaire d'un militaire qui est au repos, quoi. Comme particularité, donc elle a une natte tressée assez complexe, avec des petites gemmes dedans, des petites babioles, enfin très, très structurée. Elle a un visage de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis plusieurs jours, et c'est devant elle qu'il y a le plus de boissons alcoolisées devant vous. Tu as aussi un autre personnage que tu as trouvé, Herbert, qui s'appelle Sextus Belgaer. Pareil, il a une armure un peu plus légère que celle de Naïs, mais pareil, un style un peu militaire. Et ce qui dénote chez lui, c'est... Donc elle fait quand même corpulente dans le sens musclé, et lui, il est plutôt frêle. Et il parle d'une façon plutôt laconique, et avec un rire bizarre quand il lui arrive de rire. Et donc bien sûr Tanel qui est avec vous, Tanel qui est donc un jeune homme, pareil humain, avec une tenue flamboyante de cuir clouté. Non justement cuir clouté, non ça va, pas flamboyante mais cuir clouté avec une sorte. Sérieusement flamboyante le gars qui fout du feu. Exactement c'est pour ça. Mais il y a quand même bien un élément de rouge, une sorte de surcap entre guillemets là, qui tient un peu chaud, qui est un peu rouge, un peu foncé, avec une épée à la main. Et c'est lui quand même qui fait le plus jeune de la c'est bande. C'est un magicien avec une épée et une arme. Ouais, tout à fait. Le monde est injuste. Le monde est injuste. Parce qu'en plus, lui, il peut faire de la magie. Donc, En plus. En plus, c'est vraiment injuste. Et donc, vous vous retrouvez là parce que vous allez passer à l'action pour mettre en œuvre ton plan. Donc, c'est l'équipe qui a été assemblée et qui correspond pas du tout à ce que j'ai demandé, mais en gros, c'est les gens que Herbert a trouvés. C'est ça. Donc, par rapport à ce que tu avais demandé, Naïs, c'est clairement une combattante, et Sextus, c'est un éclaireur de troupes.
Donc c'est, tu voulais quelqu'un qui pouvait être un tracker et poser des pièges. Moi j'ai demandé un trappeur. Un trappeur. Avec un P. Ouais. Un trappeur pour faire des pièges. Voilà. Et un prêtre pour immobiliser. Et ouais. Donc j'ai une guerrière et un tracker. Un tracker, ouais. Est-ce que de par leur ethnie, je peux essayer de deviner, ou est-ce que tu peux me dire si, par exemple, est-ce que Naïs, elle est du Dragonborn, par exemple, parce que la description correspond un peu à ça, s'ils voient dans le noir? Donc, non, pas du tout. Ce que tu sais naturellement, en ayant vu leur physique et comment ça a été présenté par Herbert, et aussi pourquoi vous êtes à la Franche Bourria, c'est que ce sont des Cyrillanes, okay. Mais ce sont des Cyrillanes qui viennent de la contrée de Boreia, qui est quelque part actuellement le seul état Cyrillane qui reste intact, puisque le pays Cyrillane est actuellement divisé en proie en guerre intestine entre différents seigneurs, donc il est un peu éclaté. En fait, cette contrée qui était le dernier acte de votre royauté, qui a été donc d'aller dans le nord, dans le Septentrion, a pris pied sur cette colonie, ça serait le terme, mais maintenant, vu l'état de la Cyrillane, c'est presque un état indépendant, quoi. Et beaucoup de gens de la Cyrillane, en tout cas ceux qui aimeraient revoir le royaume réunifié ou autre, portent beaucoup d'attention à cette région, notamment parce qu'elle est dirigée par la 8e Légion, avec le général Atré. Et les gens, en tout cas ceux qui aimeraient refonder le royaume, qui le recapitulent, aimeraient bien que le général Atré quitte la Boreia pour venir essayer de... de trouver un moyen pour reconsolider le royaume, quoi. Et donc, à la Cité Franche, puisque c'est un port, il y a aussi donc des arrivées quand même de Boreia, il y a quelques échanges. Et donc, c'est pour ça que les soldats qui sont en repos ou autres viennent aussi à cette taverne-là, puisqu'elle est tenue par un ancien membre de cette 8e Légion. Donc, dans le temps imparti, le mieux qu'a trouvé Herbert, ce sont ces personnes-là qui sont entre guillemets en temps de repos, capables de se défendre et de se débrouiller dans la nature sauvage, confrontés à des monstres. Puisque dans la partie Boreia, il y a quand même tout un aspect de créatures étranges qui ont décimé les précédentes colonies jusqu'à ce que la 8e Légion s'y installe, quoi. Ok, donc c'est le mieux qu'on ait pu trouver dans le temps imparti. Oui. Est-ce que tu veux régler tous les points qui étaient en suspens dont on avait discuté précédemment, ou est-ce que tu veux le faire plus tard? Donc, dans les points dont on avait parlé, il y en avait trois. Non, il y en avait deux, parce qu'il y en avait un que tu avais réglé en séance. Donc, celui qui avait été réglé, c'était les symboles sur la caisse. Donc, c'était ce clan de mafia. Et ensuite, c'était les symboles, les plus vieux symboles étaient les symboles du Drakenberg. Donc, ça, je me souviens. Donc, ça, c'était réglé. Il y avait deux autres points. C'était moi qui investiguais sur cette espèce de maladie qu'elle avait, la réfugiée Cyrillane, cette espèce de gros pustule machin, dont je ne me souvenais pas et que je voulais investiguer à la bibliothèque. Donc ça n'a pas encore été fait. Ok, ça peut être encore fait. Et l'autre, c'est la demande à mon magistère s'ils ont les moyens de contenir, d'enfermer un mort-vivant au sein de l'école pour qu'on puisse l'étudier. Donc ça, tu m'avais dit que la demande avait été faite et qu'il devait me revenir... Parce que là, étant donné qu'on planifie pour l'emprisonner, le but, c'est quand même qu'on sache où la porter ensuite. Parce que sinon, on ne va pas se retrouver avec un mort-vivant. Tu sais, c'est pas un indien dans la ville, c'est un mort-vivant dans la ville, quoi. C'est exactement les parties, justement, qui sont à traiter. Ok. Donc, pour l'école, donc, t'es passé par le professeur Severus Snap. Donc, il t'a éclairé sur ce sujet en te disant que ça ne serait pas possible d'amener une telle créature et qu'il n'y avait pas d'endroits autorisés, et que ça risquait, puisque ce domaine-là de la science est quand même très particulier, et apporte aussi souvent un regard sur un risque de faire rentrer le chancre, comme demandant de grande vigilance et de grande protection. Donc il n'y a pas du tout le droit à ces activités-là, telles que toi tu aurais aimé. Par contre, le professeur, il est quand même malgré tout intéressé par la thématique, puisque lui aussi est dans la nécromancie. Donc, il est prêt à pouvoir t'aider, puisqu'il y aura des travaux de recherche commune et donc de la connaissance à faire. Néanmoins, c'est pas possible de le réaliser au sein de l'académie. Donc là, ce qui t'a paru le meilleur compromis, c'était d'utiliser les quartiers de Assoif, là où tu as déjà quelques connaissances depuis le temps, pour trouver une zone que tu pourrais louer
et ainsi bah, avoir pas un quartier secret, ça serait pas le bon terme, mais tu aurais accès à une zone où tu pourrais stocker ton matériel d'étude, qui dans ce cas-là serait la créature. D'accord. Et pour faire ça, donc c'est, tu sais que dans la soirée, là où vous êtes autour de la table, quelqu'un va venir pour aussi régler la solution, entre guillemets, ou la méthode, pour pouvoir aller du quartier Cirilan vers le quartier de Assoif. Parce que ça, c'est pas réglé. D'accord. Donc ça assume que on capture la créature et ensuite il faut la transporter de manière sécuritaire à travers la ville. C'est ça. Sachant que le quartier est bouclé, il faut des ordres spéciaux pour sortir. Ou sinon, il faut qu'on prenne les passeurs qui passent en dessous, comme ceux qu'on avait rencontrés. Voilà. Donc le seul moyen, c'est de passer par la mafia La locale. même mafia qui importe les, qui est Non. celle qui importe. Enfin oui, tu peux. Il y a deux possibilités. La mafia qui est dans le secteur, c'est la Rakiza, donc celle effectivement qui était dont le symbole était sur la caisse de la goule ou de la blême, ou la Tridentine. Ces deux mafias sont en conflit et la Tridentine, sa spécialité, c'est toute criminalité en fait. Au départ, ils ont commencé dans les docks avec tout ce qui était lié aux marchandises transfert, mais après ils se sont mis à l'extorsion, à la protection, au jeu, Contrebande. la Donc prostitution, voilà, au début, ouais. contrebande Contrebande. maritime et ensuite Ça c'est donc en gros, ça s'est étendu. ce qui est connu, c'est que la Tridentine, en gros, il y a un chef par branche d'activité. La Rakiza, c'est plus violent comme mafia, et personne, enfin, je veux dire. Même dans le truc, en fait, ça fait partie du mystère. On ne sait pas à qui rapporte la mafia, comment elle fonctionne. Donc, il y a un C'est une cercle mafia d'initiés, pyramidale. ouais, ça, il y a une sorte de cercle d'initiés, mais personne ne connaît. Alors que la mafia, vu le travail que tu fais, les activités que tu as eues et tout, tu as quelques informations, quand même, quelques bribes de connaissances. La Tridentine, elle, voilà, il y a des secteurs d'activité, et chaque secteur d'activité a un chef, et ces chefs-là parlent entre eux pour le fonctionnement général, quoi. C'est une entreprise, quoi. Voilà. Une entreprise d'extorsion, mais ça reste quand même C'est une ça. entreprise. Donc, juste pour finir par rapport à ça, c'est que pour l'aspect de Assoif, en fait, on va le gérer aussi, on va le gérer là, dans cette partie-là, mais en fait, tu es passé par ta connaissance Cali sous le pont, qui est ta guide Alflin, Miss le pont. Ouais. voilà, qui t'a mis en contact avec les tops d'Assoif pour pouvoir avoir un local que tu vas payer Donc les pour tops, ils t'en. reportent à la tricentime. Non. Justement, tu as choisi aussi le quartier d'Assoif parce que le quartier d'Assoif, c'est un quartier qui est un peu Donc il n'y a pas de mafia. indépendant. Ouais. En fait, tu as deux quartiers qui sont un peu indépendants de la Cité Franche. C'est le quartier d'Assoif et le quartier de la Bourbasse. Dans le quartier de la Bourbasse, il y a une sorte de quand même de mafia qui est liée au. Parce que c'est le quartier où il y a tous les déchets et tout ça. Et Assoif, c'est un quartier où il n'y a pas du tout d'organisation mafieuse. Enfin, il n'y a pas celle de cœur à la Cité Franche, c'est un peu indépendant. Et c'est plutôt des bandes rivales qui se battent pour garder le contrôle de certaines zones. Comme les tops. Les Comme les tops tops aussi, c'est des d'Assoif, voilà. bandes. Et donc Ok. toi, D'accord. comme Donc là, le avec but, ta c'est de trouver connaissance. c'est un endroit à Assoif, passer par un des tops, ou être capable de trouver un endroit à Assoif isolé qui, en fait, serait pas sous la juridiction d'une mafia. Voilà, donc en fait, c'est forcément une génération d'une des bandes, et t'es passé par les tops d'Assoif via Miss sous le pont pour trouver un local. Donc ça c'est réglé, tu as fait passer un message et tout ça. Bon après il faudra voir quand tu vas arriver sur place, mais tu l'as fait passer le message et elle t'a répondu. Et donc tu auras un local dans le secteur. Très bien. L'autre point en suspens, c'était, j'avais fait passer le message, s'il y a des gens qui étaient intéressés par mes réfugiés de Cirilan, qui étaient cachés dans les égouts, est-ce que ça a apporté ses fruits déjà ou... Donc ça, dans les 2 journées passées là, ça a commencé mais ça n'a pas fini. Il faut que tu ailles continuer à marchander tout ça. Donc pour l'instant, ils vont être encore dans le secteur. Très bien. De toute façon, j'ai compté les employés, donc ils faisaient partie de mon plan. Donc Autre question, avant qu'on commence la négociation ou la discussion, est-ce que Tanael, qui lui est un vrai éveillé, a le sortilège de lumière? je vais ça de suite. Il a le sort lumière. Parce que le but, en fait, c'était qu'il nous fasse
Tu sais, des lampes frontales, comme ça on n'aurait pas besoin de porter de torche, étant donné qu'il n'y a personne qui voit dans le noir dans la troupe que Herbert nous a assemblée. Mais si tu me dis que c'est un cantrip, il peut le faire, il peut nous lancer dessus sans aucun problème. Voilà. Voilà. Donc je lui en parle. Vous l'avez fait ça avant ou on le fait là? Parce que sinon on peut le jouer aussi. Si tu veux, on le fera pendant la conversation. Mais je lui ai clairement, avant, okay. Je lui ai demandé s'il savait utiliser la magie pour faire de la lumière. Ça, je l'aurais demandé avant qu'on ait tout le monde autour de la table. Très bien. Il t'a dit oui et il sera ravi de t'aider. De toute façon, tu le sens à chaque fois qu'il discute ou autre, il est très pour l'action, quoi. Eh bien, très bien. Ok, donc là, on est tous à table, si j'ai bien compris, dans cette alcôve privée. Oui, vous êtes tous les quatre pour l'instant. Il y a pas mal de pichets, il y a un peu de nourriture ou autre. C'est la fin de, ça va être le début de la soirée. Il y a un peu de monde qui est arrivé dans la taverne. En fait, quand tu rentres de la place, il y a une entrée qui donne sur une salle principale avec différentes tables classiques, un comptoir. Il y a une cheminée, bien sûr, avec des décors. Tout est fait pour rappeler Cyrillane, bien sûr, mais plus particulièrement la zone de Boreia. Et dans un coin, il y a deux zones avec des alcôves, et vous êtes dans une de ces alcôves-là. Et donc, il faut passer une sorte de porte, hein, c'est une alcôve un peu en dur, avec une sorte de porte, il n'y a pas de porte, mais il y a le trou quoi, d'un passage. Quoi. C'est un grand drap pour séparer ou quelque chose comme ça. C'est ça. Et donc, vous êtes tous les quatre en train de manger, de préparer. Et donc, Sextus te demande, redis-nous... Arthur, comment tu souhaites procéder alors? Alors, personne ne m'appelle Arthur. Ok, le Fossoyeur alors. Je ne me suis jamais présenté, donc Fossoyeur, même pas le Fossoyeur. Fossoyeur. C'est Fossoyeur, tout court. Alors, et donc, en plus, je ne les connais pas, donc clairement, c'est Fossoyeur. Ok, donc en fait, vous êtes dans ce cas-là, vous êtes tous les deux, Tanel et toi d'un côté du banc, et ils sont de l'autre. Donc, ouais. Vous avez quand même un peu échangé sur différents sujets ou autres avant. Pendant ce temps-là, Naïs, vous avez vu qu'elle a consommé, elle a bu son pichet, puis un deuxième et tout, elle enquille, quoi. Et donc Sextus, à un moment donné, fait « Ok, soit. » Mais juste, redites-moi, quel est votre plan, Fossoyeur ? C'est un plan qui est en plusieurs phases. Et c'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. Premièrement, nous allons tendre une embuscade. Cette créature, qui évidemment est extrêmement dangereuse, a une sorte de nid qui est dans les égouts, qui est dans un cul-de-sac dans les égouts. Où cette créature revient régulièrement, où elle apporte ses victimes et les mange, pour faire très simple. Donc le but, c'est tendre une embuscade. J'ai déjà préparé une embuscade, et grâce à tes talents, Sextus, nous allons pouvoir non seulement reconnaître les lieux, mais aussi poser quelques pièges, et s'assurer que la créature ne s'échasse pas, ce qui nous est arrivé la dernière fois. Elle est partie en courant, et elle est très rapide, donc elle se déplace beaucoup plus vite que nous. Une fois que l'embuscade sera tendue, et que nous serons en phase d'action, et là je regarde mon collègue étudiant qui doit avoir les yeux qui pétillent à ce moment-là que je dis le mot action. Le but, c'est bien sûr ne pas la tuer, mais la capturer. Donc il va falloir que nous devisions d'un stratagème, et là je regarde Naïs, qui disant « espérons pas trop éthylique », pour capturer sa créature et la maîtriser, pour ensuite passer à la phase d'après, qui est la phase d'extraction. La phase d'extraction va être vraiment très simple, c'est sortir des égouts avec la créature et ensuite se déplacer d'ici à notre destination qui est d'un autre côté de la ville, sans donner de plus de détails, pour amener la créature dans le lieu sécurisé où elle sera détenue. Voilà, c'est très simple. Des questions? Tu vois que Sextus regarde Naïs qui t'a regardé quand tu lui as fait sa remarque, mais pas plus réagi que ça. Et donc Sextus se retourne vers toi. Deux questions. La première, il n'était pas prévu que nous vous accompagnions pour le transport de la marchandise. Pas de problème. Mais si vous le souhaitez, moyennant finances supplémentaires, ça peut s'arranger. On verra quand on y sera. Et la seconde question, dans quoi vous allez mettre votre trophée ? Dans quoi ? Non, nous allons la faire marcher. C'est une créature qui a des bras et des jambes et qui va nous suivre. Nous allons l'enchaîner. Nous allons préparer des chaînes et des menottes qui sont très lourdes et nous allons l'attirer avec nous. Et vous pensez que ça va être discret ? Et qu'elle va vous suivre ?
c'est là où les muscles vont servir, non? Puis accessoirement, on va l'assommer, ça va aller beaucoup plus vite, et on la mettra dans une carriole pour l'amener jusqu'à là-bas. Bien sûr que j'y ai pensé. D'accord. Donc là, il se met à rire un peu bizarre. Faut me rassurer que vous allez plutôt l'assommer, parce que vous ne voyez pas comment vous allez vous la tirer, et ça me paraît plus simple de l'assommer, effectivement. C'est une créature qui est très dangereuse et très résistante quand même, donc ça ne sera pas une partie facile. Hein. La capture, c'est une étape importante et compliquée du processus, pour deux raisons. Premièrement, c'est une créature très violente, très forte, physiquement très forte, mais en plus elle est très rapide et assez intelligente pour savoir quand s'enfuir. Donc non seulement il faut être capable de la contenir, mais en plus il faut être capable d'empêcher à ce qu'elle parte. Très bien. Bah, je pense qu'avec Naïs, il n'y aura aucun problème pour vous aider à la mettre en état de calme, sans la tuer. Très bien, c'est le but. Ah oui. Au fait, vous forfaitez tous vos gages si elle meurt. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ça fait partie des conditions nécessaires. Vous ne serez pas payé si elle meurt. J'espère que vous l'avez bien compris. Tu vois qu'il réfléchit. Ensuite, si vous êtes aussi convaincu que vous êtes capable de le faire, ça ne devrait pas être un problème pour vous. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour nous. Parfait. Après cette mise en bouche et la formation d'une équipe d'experts pour accompagner le fossoyeur à la traque d'une goule blême, retrouvez la suite de l'aventure très prochainement. Pour cela, abonnez-vous pour être notifié, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur notre site web unduorolliste.net. N'hésitez pas à partager vos commentaires et encore merci, bon jeu.